super content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une nouvelle vidéo les copines. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai posé des questions aux filles sur la grossesse. C'est vrai que bah, vous savez, dans moins de 2 mois je vais accoucher. Mais quand on est enceinte, dans la grossesse, il y a plein de choses qu'on a en tête, mais j'ai remarqué que quelques temps après avoir accouché, il y a des notions qu'on perd très vite. Et du coup, comme les filles ont déjà été maman une ou plusieurs fois, je leur ai posé quelques questions. Et du coup, bah, pour voir un petit peu si elles se rappellent de tout ça ou pas. Et n'hésitez pas vous aussi, eh bien, quand vous entendez la question, à mettre pause, à recommencer à répondre en commentaire et de voir à la fin bah, si vous vous rappelez ou si vous connaissez eh bien, toutes les infos. C'est parti! Alors c'est parti Laure, on va essayer de répondre à tes questions sur la grossesse. Ça date d'il y a 2 ans pour moi, donc on verra bien. Je crains le pire. Salut Laure, on va faire ce qu'on peut hein. Ah, alors SA c'est semaine d'aménorrhée et SG c'est semaine de grossesse. Mais j'ai jamais compris. Même enceinte, moi-même, je savais même pas, j'étais perdue dans tout ça, donc sérieux, je sais pas du tout, aucune idée. Mais je crois que les SA, c'est des semaines avant. Non, franchement, je sais pas. Semaine aménorrhée, semaine d'aménorrhée et semaine de gestation. En fait, c'est soit depuis les dernières règles, le premier jour de tes dernières règles, soit depuis le moment où vraiment il y a eu fécondation. Voilà. Simplement, c'est SA, semaine aménorrhée, c'est à partir du moment du dernier jour de tes règles. Et SG, c'est à partir du moment où tu devais avoir tes règles. Donc en fait, il y a 15 jours entre les deux. Donc SG, c'est à partir du moment où tu as ton premier retard. Donc en fait, tu dois avoir tes règles lundi, bah tu les as pas, donc tu es enceinte. Donc là, c'est à partir du lundi qu'on considère donc le SG. Enfin, après, le gynécologue détermine quand est-ce que c'est, mais voilà en gros. Et par exemple le lundi d'il y a 15 jours, c'était le dernier jour où on a eu nos règles, et ben c'est SA, voilà. Alors SG ça veut dire semaine de grossesse et SA semaine d'aménorrhée. Donc la différence c'est que le calcul, il y a 2 semaines de différence. Les SA semaine d'aménorrhée sont calculées à partir du premier jour des règles et les semaines de grossesse à partir du début de la grossesse. Donc souvent dans un cycle classique d'une femme, il y a 2 semaines de différence. C'est-à-dire qu'entre votre premier jour de règle et le jour où vous ovulez, il se passe 15 jours. Mais ça, c'est le cycle classique et on est beaucoup de femmes à pas forcément avoir le cas, mais voilà la différence. Non, bah alors là, tu me poses une colle. Hein. Je crois que je vais rien savoir du tout de toute la vidéo. Hein. Combien de S ? Ah, allez, je vais dire vraiment au pif. 38. Ah, en France, punaise. 41 ? 41 semaines ? Il me semble. On n'a pas la même chose en Suisse. T'as bien fait de préciser, hein. 41 SA en France. Et 39 SG. Eh bien, une grossesse dure tout simplement 41 semaines d'aménorrhée plus 3 jours en France. C'est comme ça que c'est calculé. Masque, ça je le sais parce que j'ai vécu ma grossesse presque à la limite de l'été, il faisait super beau, on m'a dit fais attention, masque de grossesse en t'exposant au soleil. Un masque de grossesse, j'ai évité 2 fois de suite. Bon. Un masque de grossesse, je l'ai pas eu, mais je me suis beaucoup protégée. Un masque de grossesse au visage, c'est ça qu'elle peut avoir la femme enceinte. Il s'agit d'un masque, je l'ai d'ailleurs moi un petit peu attrapé pour cette grossesse-ci. C'est la première fois, c'est-à-dire des petites taches qui apparaissent. Alors moi du coup elles sont plus sous forme de petits grains de beauté, donc c'est plutôt joli. Mais des fois ça peut nous faire des grosses taches brunes qui partent et reviennent les autres étés. Donc du coup c'est quand même pas fameux et il vaut mieux essayer d'éviter de l'avoir. J'y suis allée qu'à 2, je crois. Il y avait la visite de la maternité. Seule, j'y suis allée. Donc, mais après, il y avait quoi? Le cours sur comment accoucher, enfin, genre la respiration et tout. Mais ça, j'ai pas eu le temps de le faire parce que j'ai accouché avant.
Et troisième, je dirais un cours sur quoi? Sur le rythme d'un nouveau-né. Voilà, comment gérer son sommeil, etc. au début. En tout cas, nous, il y avait ce cours-là. Je sais pas, j'ai pas fait. lors de ma première grossesse, j'ai fait des cours de préparation, mais j'ai fait en privé. J'ai pas pris des cours. J'ai fait avec une sage-femme en privé. Mais c'est pas obligatoire. Alors, les cours de préparation à la naissance, il peut y avoir le cours de préparation de poussée. Comment pousser? Bah, je les ai pas fait pour cette seconde grossesse, je sais pourquoi. Donc, bah, je sais pas. Oui, quand on devient maman, quand on est future maman, il y a la possibilité d'avoir des cours de préparation à la naissance qui sont en plus prises en charge, si jamais vous ne le saviez pas, voilà. Et il existe vraiment beaucoup de méthodes et je vais vous en énumérer quelques-unes, comme ça au cas où si les filles ne nous ont pas trouvé trois, vous en aurez plusieurs. Donc d'abord, on dit qu'il y a la méthode classique, c'est-à-dire celle où on rencontre celle que généralement les femmes choisissent pour leur première grossesse. Souvent, ça se passe à l'hôpital. Et donc, durant ces consultations, bah, vous pouvez apprendre, voilà, on vous parle de la valise maternité, on vous parle de comment se passe l'accouchement, vous avez dedans à chaque fois souvent la visite à la maternité. Voilà, un petit peu juste les gros points classiques, etc. Vous avez dedans forcément l'apprentissage de la respiration pour le jour de l'accouchement. Moi, c'est le cours que j'ai trouvé intéressant. Vous avez un cours sur comment descend le bébé, etc. pour la naissance. Enfin, voilà, un petit peu juste tout ce qui est tout cet aspect-là. La deuxième, c'est l'aptonomie. L'aptonomie, j'aurais trouvé ça intéressant, mais j'ai pas eu la possibilité de pouvoir le faire avec Anthony. C'est tout simplement une méthode de préparation à naissance, mais qui se fait en couple, où du coup, on apprend un petit peu à prendre conscience de ce bébé qui est dans le ventre, de pouvoir, par des gestes, etc., en couple, pouvoir rentrer en contact avec le bébé. Je trouve que c'est très joli. C'est vraiment un des cours de préparation, une des méthodes qui se fait vraiment en couple, à deux, en harmonie, que je trouve super. Une troisième, il y a la sophrologie. La sophrologie, c'est le contrôle des émotions, entre autres, par la respiration. C'est vraiment tout ce qui est autour, un travail tout autour de la respiration, etc. Et ça, je trouve que c'est super pour, entre autres, celles qui veulent mettre la péridurale, avoir la péridurale le plus tard possible, ou celles qui veulent accoucher sans. C'est vraiment quelque chose qui permet de pouvoir apprendre à contrôler vraiment sa douleur au niveau du corps, et du coup de pouvoir mieux gérer ses contractions, eh bien, au moment de la naissance. Il y a la méthode, le yoga, le chant prénatal, l'aquagym, etc., etc. Il y en a plein d'autres. Mais les premières que je vous énumère, c'est souvent les plus connues et les plus pratiquées par les futures mamans. Je sais plus, un taux. Taux d'hormones peut-être? Non, je dis n'importe quoi. Le taux de œstrogène? Je suis pas sûre. Ouais, le taux d'œstrogène, je crois. C'est le taux. Pas le taux d'œstrogène, c'est H, non, je sais plus. Il s'agit du taux de bêta-ACG, donc c'est le taux qui va permettre de dire si vous êtes enceinte et si oui, depuis approximativement combien de temps. Donc souvent après un test de grossesse, c'est ce que le médecin vous prescrit, puisque du coup quand vous avez un test de grossesse, généralement voilà, on appelle son médecin pour qu'on ait une prescription pour pouvoir faire la prise de sang afin d'avoir confirmation eh bien, de la grossesse et de pouvoir à peu près commencer à l'estimer. Que c'est 34, je crois. Gabin, il est tout juste pile poil après, donc 37, et ça, il peut venir sereinement à partir de 37, comme tous mes bébés. À partir de 36,5, on considère que le bébé dans le ventre n'est plus prématuré, s'il arrive à partir de 36,5. Alors, il faut savoir que la prématurité est classée en trois grandes familles. Vous avez les très grands prématurés, donc c'est ceux qui naissent avant 6 mois. Donc, en nombre de semaines, ça correspond à avant 28 semaines. Ensuite, vous avez les grands prématurés, donc ceux, c'est entre 6 et le 6 et 7e mois. Donc, plus exactement, c'est entre 28 et 32 semaines. Et ensuite, pour un prématuré, c'est un enfant est considéré comme prématuré s'il naît avant sa 36e semaine d'aménorrhée, donc c'est-à-dire avant la fin du 8e mois. On considère qu'à partir du moment où une femme enceinte rentre dans son 9e mois, le bébé n'est plus considéré comme un enfant prématuré. La tête dans les étoiles, le siège, se présenter par le siège, ça c'est les fesses en avant. Tête dans les étoiles, c'est la tête qui regarde en haut, ou normal, la tête en bas.
Je sais pas, peut-être qu'il peut sortir le bras d'abord, mais je connais pas. Il y a la position de siège, la position quand il regarde les étoiles, la position normale, la position en transverse aussi, il me semble. Souvent, ça, c'est vérifié avant l'accouchement, par les échos, par les contrôles, etc., qui permet un petit peu de savoir s'il est positionné de façon classique ou pas. Donc la position la plus classique, c'est présenter par la tête, et là encore il y a plusieurs variantes, il y en a qui regardent le ventre, il y en a qui regardent le dos, etc. Mais en gros les positions sont au nombre de 3, c'est-à-dire présenter par la tête, qui est la façon la plus simple et la plus facile pour accoucher, et que la grande majorité des femmes connaissent. Ensuite il y a présentation par le siège, c'est-à-dire par les fesses, par le popotin. Ensuite il y a la position qu'ils appellent transversale, donc celle que moi j'utilise par le dos, c'est-à-dire qu'en gros ils sont en mode pas du tout un état d'esprit de se positionner pour sortir, alors que quand on dit qu'ils sont par siège, par les fesses, on va dire que c'est juste qu'ils se sont pas retournés. Mais dans les deux derniers cas, ce que me disait ma sage-femme, après je pense que ça dépend de chaque cas, ce que me disait ma sage-femme, c'est que soit on cherche à manipuler le bébé pour qu'il puisse se présenter par la tête, mais souvent ils ne le font pas pour une première grossesse, rarement pour une première grossesse. Soit il se retrouve, et surtout dans la position transversale, dans la situation, il va falloir prévoir plutôt une césarienne, puisque cela rendrait l'accouchement beaucoup trop complexe. Et je vous avoue que si moi, il se trouvait que la puce ne se serait pas... Enfin, je sais que là, elle est présentée par la tête. Jusqu'au bout, les choses peuvent changer, mais théoriquement, là, elle est bien engagée. Je pense que c'est quelque chose que j'aurais appréhendé et que j'aurais peut-être préféré voir sous forme d'une césarienne. Ah, donc je pense que c'est surtout pour celles qui ne sont pas immunisées. Donc il y a genre le saucisson sec, ça me manque énormément. L'alcool, je sais pas si ça est considéré comme un aliment, mais le jambon, le fromage au lait pasteurisé ou non pasteurisé, je sais plus, il y avait un truc comme ça. Du lait, fromage ou lait cru, on va dire, je pense. Ensuite, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on peut plus manger quand on est enceinte? Ah ben, genre le foie gras. Je sais qu'à Noël, j'étais dégoûtée. Et les crustacés. Voilà, je dirais ça. Enfin, les fruits de mer. Tout ce qui est légumes pas lavés, tout ce qui est produits laitiers également, les viandes, les poissons crus. Quoi d'autre? Bah tout ce qui est cru. Question suivante. Oh, ça va vite. Les œufs, la viande crue, les tout ce qui est aliments crus, donc enfin qui sont mal lavés, le fromage non pasteurisé. Question suivante. Alors pendant la grossesse, il y a des choses qui sont interdites et il y a des choses qui sont déconseillées. Tout dépend déjà de si vous êtes immunisé contre la toxoplasmose ou pas, ça varie, mais je vais déjà vous en énumérer quelques-uns et je pense que les filles en ont trouvé pas mal. Alors il y a tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est fromage non pasteurisé, alcool, tabac. Alors je mets alcool et tabac dans l'alimentation parce que ça reste quelque chose qui est consommé. Tout ce qui est gâteau pas cuit, type tiramisu ou mousse au chocolat, par le fait de l'œuf qui n'est pas cuit. Ça, faut faire attention parce que des fois, on n'y pense pas du tout à ces niveaux de ces gâteaux-là. Tout ce qui est crustacé, poisson cru. Donc là, voilà, pour en nommer quelques-unes catégories, mais si vous rentrez dans charcuterie, il va y avoir tout ce qui est foie gras, tout ce qui peut être jambon cru, puisqu'ils ne sont pas, cuits, tout ce qui peut être saucisson, tout ce qui peut être, par exemple, si vous voulez faire un tartare, la viande n'est pas cuite, vous ne pouvez pas en manger en étant enceinte. Mais je crois que, si je ne me dis pas de bêtises, si on est immunisé contre la toxoplasmose, il y a certains cas, certains aliments que vous pouvez consommer sans souci. Mais ça, c'est toujours avec la personne qui vous suit, votre sage-femme, votre gynécologue obstétricien, qui saura mieux vous conseiller. Vérifier la trachée, que tout soit bien sorti de ses poumons, toute l'eau, tout le liquide amniotique. Et ensuite, la tension, le cœur. Tu vas vite. Direct à la naissance, le soin du cordon. Alors du coup, il y a plusieurs choses qui sont effectuées dans les deux heures qui suivent la naissance. D'abord, il y a ce qui s'appelle le test d'Apgar, qu'en gros, qui vérifie la vitalité du bébé. Donc cela peut être fait en étant sur la maman, c'est-à-dire vérifier... que le bébé réagit, etc. Enfin, pour vérifier tout simplement la vitalité. Donc il y a plusieurs choses qu'ils examinent, mais ça s'appelle le test d'Apgar. Je le prononce sans doute très mal, excusez-moi.
Ensuite, il y a, mais ce n'est pas systématique, l'aspiration gastrique. Donc ça fait partie des soins quand voilà, ils enlèvent le bébé du pot à pot avec la maman pour aller faire les premiers autres soins. Souvent, ils revérifient la vitalité. C'est là où ils vérifient si le bébé fait les premiers petits pas un petit peu, comment quand il soulève par les bras, si le bébé redresse un peu la tête, un petit peu, voir toute la vitalité de l'enfant pour vérifier qu'il n'y a pas le moindre souci. L'aspiration gastrique, c'est-à-dire, vous savez, quand il passe la petite sonde pour aspirer les glaires, ça c'est pas automatique, mais ça se fait de façon très courante. Ils essaient de pas trop le faire parce que c'est assez invasif pour le bébé, c'est pas agréable. La pesée, le soin du cordon, les mensurations. Donc bon, à la naissance, ils vérifient rarement maintenant combien mesure le bébé. Souvent, c'est plus à la sortie, mais dans certaines maternités, ils le font encore, donc c'est pour ça que je vous le nomme ici. Souvent il y a la prise d'une première vitamine, donc la vitamine K. Je ne sais pas si c'est automatique dans toutes les maternités, mais en tout cas ça fait partie du protocole. Et ensuite ils administrent un petit, ce que moi je vais appeler un sérum, un produit, c'est de... Je vais essayer de le prononcer comme il faut, je l'ai noté, c'est de l'onguent ophtalmique dans les yeux pour éviter les infections. Donc ils mettent quelque chose dans les yeux pour éviter les infections, puisqu'apparemment quand ils passent par voie basse, ils peuvent attraper... entre guillemets, des microbes, etc. Je sais que cela ne se fait pas forcément automatiquement aujourd'hui, mais ça se fait encore beaucoup. Donc voilà un petit peu pour les premiers soins du bébé. Puis après, généralement, il le pouponne, il l'habille avec les vêtements que l'on a choisi pour le jour J. Et c'est la personne avec qui vous avez vécu votre accouchement, votre conjoint, donc homme ou femme, qui va vous ramener le bébé auprès de vous. Je sais pas ce que tu appelles par les étapes de l'accouchement, du déroulement. Tu montes dans la voiture, tu mets sa couvelle en dessous au cas où tu perds les os. Non, je sais pas. Tu arrives à la maternité, monitoring, péridural, et tu pousses. Et tu câlines ton bébé. Je sais pas si c'est ça les étapes, mais voilà, enfin bref, c'est ce que je pense, c'est ce que je dirais. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire. T'as dit dernière question, donc je crois que c'est fini. Le déroulement de l'accouchement. T'arrives, t'en chies ta race et tu chies un gosse. Non, pardon. T'arrives, t'en chies grave et ensuite, bah, si t'as de la chance, on te fait une petite picouse. Après, tu pousses, t'en peux plus, tu te fais péter les veines du visage, il sort et t'es heureuse toute ta vie. Les différentes étapes, ça dépend. Ça va être, on arrive, on a des contractions, on arrive à la maternité, on rentre en salle, on va avoir un monito qui nous confirme ou pas si on a des contractions qui travaillent. Ensuite, en même temps, on va regarder l'ouverture du col et après, on rentre en salle de travail. On attend d'être dilaté à 10. Une fois qu'on est dilaté à 10, on commence le travail, donc à se mettre en position pour pousser, etc. Voilà, et après normalement le bébé il arrive et on espère qu'il arrive sans aide, sans forceps, etc. Alors là les étapes elles sont classées au nombre de 3. Elles sont 3 longues étapes. Vous savez que l'accouchement c'est considéré vraiment, c'est que la deuxième étape, c'est quand le bébé naît, sort. Avant il y a toute la première étape qui est donc celle de la dilatation du col de l'utérus. Donc c'est-à-dire que vous n'êtes concrètement pas en train d'accoucher. Pendant toute cette période de travail, c'est vraiment qu'à partir du moment où vous sortez le bébé que vous êtes considéré comme en train d'accoucher. Donc il y a tout le travail, donc la dilatation du col de l'utérus, ce qu'ils appellent l'expulsion, donc la naissance du bébé, le bébé qui sort. C'est plus joli de dire l'étape de l'accouchement que l'expulsion du bébé. Et enfin la dernière chose, il y a ce qui s'appelle plus communément la délivrance, mais qui est en fait l'expulsion du placenta, puisqu'une fois que le bébé est sorti, ce n'est pas fini, vous allez devoir encore pousser pour pouvoir évacuer le placenta. Je vous rassure, après le bébé, pas de problème pour expulser le placenta. De manière générale, c'est une étape extrêmement importante puisque tout est vérifié au niveau du placenta pour s'assurer qu'il n'y ait rien qui ne soit pas sorti et donc pas de risque d'hémorragie. C'est pour ça qu'on reste 2 heures en salle d'accouchement derrière. C'est pour vérifier comment nous et le bébé réagissent et comment on va dans ces 2 heures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai très hâte de voir les réponses des filles, savoir qui a gagné, puisque celle qui aura le moins de points aura un gage sur Instagram. Donc je vous mets en barre d'infos nos 4 Instagram, comme ça au moins quand vous verrez laquelle dans les scores a perdu, attendez-vous à voir un petit challenge arriver dans les jours qui suivent pour pouvoir tout simplement un petit peu rigoler. Nous on trouve ça très sympa, c'est quelque chose qui nous amuse beaucoup. J'espère que vous aussi vous avez pu répondre aux questions.
Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et rendez-vous dimanche prochain sur la chaîne de Valentine pour une nouvelle vidéo, les copines. Rendez-vous la semaine prochaine chez Valentine. Finaise. Voici, eh bien, ça fait longtemps. Par le stade 1, on a couché au bout de quelques... J'ai l'impression que je vais passer un oral. C'est horrible. Donc, eh bien, c'est parti. On gagne quoi? Qu'est-ce que tu vas... Que vérifie-t-on? C'est vache, hein.